Les cinq mots sont retrouvés. Elle est maestro, c'est Sophie. Un jour j'irai à New York avec toi. Toutes les nuits déconner. Tu sais tellement pas que l'une d'entre nous dira que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous. Un jour j'irai là-bas. On a fait tellement attention de ne pas infirmer ou confirmer votre réponse, j'en appelle. C'est professionnel, j'ai envie de dire. Normal, c'est la règle du jeu, il faut la respecter. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, j'avoue que je suis beaucoup plus rassuré quand c'est Magali que quand c'est toi, tu vois. Ça, c'est pas très gentil. C'est pourtant la réalité. J'en appelle à ma sagesse. Bloquez-vous pas ces paroles. Bloquez-vous pas ces paroles. Non. Ça le mérite d'être fait. J'ai un gros doute en fait, c'est je sais pas si j'en appelle à ma sagesse ou à ta sagesse. C'était l'inverse. C'est non, ça, je... non? Non, je crois pas. Cruella? Si, c'est ça, elle a dit Alexandrie, il fallait d'abord dire Alexandra. Mais non. Mais voilà. Mais si. On fait et après, ça change et voilà. Donc c'est vrai? Oui. Toi aussi, tu. Ouais, ouais, instinctivement, j'ai toujours envie de dire Alexandrie d'abord, mais c'est l'inverse. C'est le nom de... c'est le titre de la chanson. Alexandrie, Alexandra, et non pas Alexandra, Alexandrie. Ah, franchement, ça saurait que le titre est Alexandrie. C'est bizarre, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a pas fait Alexandrie? Tu sais quoi? Étienne Rodagil a écrit également Magnolia Forever pour Claude François. Jamais dans la chanson, il ne dit Forever. Mais il a mis dans le titre comme ça parce que ça faisait chic de mettre un mot anglais. Partout, il y a des Magnolia dans la chanson, mais il n'y a jamais le Forever qui intervient. Et là, c'était l'inverse, c'est ça, Cruella. C'est dingue, c'est vrai? C'est pas et une oui. Ok, d'accord.